Hey, salut à toutes et à tous, et nous voici partir ensemble pour un nouvel épisode de Kingdom Hearts 2 les amis. Et aujourd'hui, nous allons enfin reprendre la suite de la ville d'Agrabah. Enfin là on se situe pas trop dans la ville mais plutôt dans des ruines dévastées qui nous avaient, grâce auxquelles j'ai réussi à me vautrer, avoir un petit fail à peine une seconde qui m'avait valu de recommencer la cinématique en votre compagnie, mais c'était pas trop grave. Ça nous avait pas pris trop de temps une fois qu'on avait compris où tout était. Oh, en plus on a directement le droit à une belle cinématique. La sortie est finie, Jafar. T'es sûr que c'est ici ? Il faut me comprendre, je ne voulais pas faire ça. C'est Jafar, il m'a obligé à vous conduire ici. Vous ne le connaissez pas comme moi, il peut se montrer très convaincant. Il a dit que si je ne coopérerais pas, il allait me... Où est-il ? Je t'en prie, il faut que tu me pardonnes. Où est Jafar ? Voyons voir. En ce moment, il doit être en train d'attaquer le palais. Oh, je n'avais pas le choix. Vous auriez vu ses yeux. Ils étaient cruels et bizarres. Ouais, c'est ça. Yago, tu avais juré être notre ami, mais tu as joué sur les deux tableaux pour être sûr de sauver tes plumes. Je le savais bien, on ne pouvait pas changer. Je me reprends. Bravo Yago qui a réussi à déclencher le système d'autodestruction de la ville, parce que oui, faut croire que ça existe. Quitte les ruines, et bien entendu, on arrive tous à monter sur le tapis, donc tout le monde est sauvé, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, moi c'est ça dont je vous parlais la dernière fois. Enfin, je vous disais que cet endroit me rappelait quelque chose, c'était surtout pour la cinématique justement de destruction. Alors c'est pas spécialement bon souvenir si je peux vous dire, on fait trois fois le tour... autour des piliers, mais c'est bon quoi. On a pas... Le but c'est de quitter et nous on fait trois fois le tour autour de la même tour. Enfin deux fois pour être exact hein. On va pas non plus exagérer, on va pas rajouter une fois de trop. Parce qu'après on va me dire que c'est moi qui exagère tout. Ouh, Sora vient de monter un niveau. Mince, c'est nickel. Et comme ça je pense qu'aujourd'hui on va réussir à finir le monde d'Agrabah. Une fois qu'on aura fini le monde d'Agrabah, on pourra retourner. Alors on a le choix, je pense que ce sera un petit coup d'Atlantide. Ensuite, on aura aussi un petit coup de l'aventure à Queenie l'ourson. Et une fois qu'on aura à peu près fait ça, ce qui devrait peut-être... Alors, ce sera peut-être un épisode complet de tout faire. Enfin, tout dépendra. Je pense pas que ça nous prendra plus d'un épisode de tout faire. Surtout que si je commence là, dans cet épisode, vers la fin, ça devrait pas être trop long. Et ensuite, on pourra s'attaquer donc à la suite. Donc, vu qu'on aura fini la ville d'Agrabah, je sais pas vraiment ce que ça nous réserve comme surprise, la suite. Parce que là, faut se dire, pour moi, on a fait à peu près tous les mondes. Alors après, l'aventure, je pense qu'on va de nouveau avoir une bonne séquence avec l'organisation. C'est vrai que, je pense, dans ce Kingdom Hearts, là, jusqu'à maintenant, ça a été ma phase un petit peu préférée. Quand vous aviez cette guerre, un petit peu avec les 100 cœurs et les 6000, et qu'on avait tous nos compagnons qui étaient là pour nous aider, il y a eu une séquence, mais tellement d'émotions, d'action, et d'histoire surtout. Et ça, c'est vrai que... Enfin, là, il y a de l'histoire, mais c'est un peu l'histoire autour des Disney. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment l'histoire principale, l'histoire qui nous attache, donc celle autour de Kingdom Hearts, celle qui a été créée par le jeu. C'est celle qu'on veut. Oui, nous la voulons. Voulez-vous l'épouser? Oui, je le veux. Je veux épouser l'histoire. Pauvre tapis. En tout cas, il a bien fait son boulot, il nous a bien aidé. Pose-toi, tapis. Tu l'as bien mérité. En avant, il faut arrêter Jafar. On ne t'a rien demandé. Le palais est là-bas. Vite! On va pouvoir refaire un petit coucou à notre ami Jafar. Est-ce qu'il y a besoin que je sauvegarde? Non, non, non. De toute manière, même si je refais ça, c'est pas excessivement grave. Et je crois qu'il y a... Mais what? Ah, j'avais l'impression que mon joystick analogique droit avait, je sais pas, monté à la caméra sans que je le veuille. Donc là, de toute manière, les combats, on les a. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est d'aller botter les fesses à notre ville ennemie, Jafar. Qui, je pense, est en train de se faire un plaisir de démolir le palais. Enfin bon, vous me direz d'ici, c'est pas avec un paysage aussi animé qu'on va vraiment se rendre compte de quelque chose. Par contre, c'est où la suite?
Je crois que c'est plutôt par là, non? C'est plutôt dans cette direction. Oui, 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 c'est... Ah, bah voilà. On a le chemin. Ouh, il y a le vendeur. Interrogé. Ouais, voilà, ça me paraît bizarre que le vendeur se trouve comme ça ici. Alors, vous avez découvert toute l'histoire, hein? Bien Malaki ne profite jamais. Malheureusement... Je m'étais introduit dans le palais pour emprunter quelques trésors quand j'ai entendu une voix. Libère-moi et je t'offrirai des richesses inouïes. Qui êtes-vous? Ai-je demandé. Et la voix répondit. Le vrai sultan d'Agrabah, emprisonné dans cette lampe par des bandits. Comment ai-je pu croire à de telles sonnettes? Je devais déjà être le sous-emprise de Jafar, c'est la seule explication. Tu n'aurais pas plutôt été influencé par la promesse de richesses inouïes? Oh, peut-être un peu, mais finalement Jafar n'a pas tenu sa parole. Qui t'a donné tous ces objets alors? Ah, il les a piqués. L'homme en noir, Paldi. L'homme en noir? Mais comment ça? L'organisation 13? Je vois pas en fait pourquoi. Je vois pas la logique là. J'en étais sûr. C'était un cadeau en échange de mon silence. Il m'a dit qu'elle éliminerait Jafar après l'avoir transformé en 5 heures et qu'il valait mieux éviter de semer la panique en ville. Et tu y as cru? Eh oui, que voulez-vous? Je suis un commerçant et je suis prêt à tout croire pourvu que j'en tire profit. J'aurais pu faire une bonne affaire si je ne m'étais pas fait repérer. C'est pas de chance. Tais-toi! Ah là là, Yago. Lui qui avait si durement acquéri la confiance voilà, de Sora, de Nadingo et Aladdin, bah là, c'est un petit peu retombé. Et maintenant, s'il doit de nouveau la requérir, j'en souhaite bonne chance. Hein. Attends un peu, Jafar. Tu recevras bientôt ce que tu mérites. En effet, belle princesse. Agrabah tout entier m'appartiendra. Et toi? Toi, ma reine, tu pleureras à mes côtés pour l'éternité. Ton sauveur? En ce moment même, ton cher Aladdin prononce ton nom dans un dernier souffle de vie. Hein? Bah. Qu'est-ce que tu disais, Jafar? Tu oses me défier, oiseau de malheur? Yago! Vous allez tous le rejoindre, sans plus tarder. Là, je pense qu'il y a du gros combat, perso, parce que vu ce qu'ils veulent nous en mettre plein la vue, là, ça va gérer. Waouh! Ah ouais! Alors là, ils ont pas vu les choses en petit, hein? Jafar version. Très 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 vilain génie. En plus, on a Yago qui nous a sauvé la vie quand même pour nous montrer qu'il est quand même avec nous. Il a pas trop eu le choix. D'un côté, je le comprends quoi. Vous avez Jafar en face de vous, vous lui dites non. Enfin, il... en plus, avec des pouvoirs de génie, je pense que vous faites pas long feu. Et donc, ça par contre, je ne m'en souvenais mais absolument pas de la séquence en tapis. Waouh! Vous me direz, je me souvenais pas du tout de la plupart des basses. Oh, vas-y, je peux lui taper le torse. Mais il a pas beaucoup de vie. Non, mais là, c'est pas ça, le boss, hein. Enfin, je crois que... Y a quoi? C'est juste pour faire en sorte que... Ah, je puisse lui taper la tête sans qu'il vienne m'embêter, c'est ça, d'accord. Par contre, ça veut dire que là, j'ai pas mes habits pour m'aider, donc je peux pas y faire usage de fusion. En fait, ils ont vraiment... Sur Agrabah, ouais, ils ont vraiment misé... Aïe, ouf. Ils ont vraiment misé sur le fait d'utiliser le tapis. Bon, en gros, ça sert à rien que je pense que je m'acharne sur le haut. Je m'amuse plutôt sur son torse. Ou en plus, avec ses bras, voilà, il tourbille autour. Donc, si je m'amusais directement à le taper, je ne pense pas que j'arriverais à durer très longtemps sur mes coups. Oh, je crois qu'il y avait un truc. Attendez. Firilé. Ah, ficelé. D'accord. Ah, on peut prendre... D'accord, il y a même une séquence. Et je pense en plus, ça doit lui enlever un max de vie. Ah non, ça l'étourdit. Ah ok, comme ça je peux le taper encore plus longtemps. Ah ça, faudrait qu'on y pense, d'accord. J'ai quand même eu de la chance d'aller sur le torse directement. Parce que je pense... Enfin moi je me serais dit que plutôt, peu importe on le tape, ça change rien du tout. Descends. Aïe. Plus bas, plus bas, plus bas, voilà.
J'ai l'impression qu'une fois qu'on est sur son torse, on craint limite rien. Ficelé, encore. Oh, easy, moi je vous dis. Et allez, vas-y, tourbilol. Oh, bon. Bon, par contre, vu sa vie, ça va. On va devoir le faire quelques fois, je suppose. Mais mis à part ça, on va aller assez vite. Allez, allez, Sora. Donc, allez, on recommence. Non, mais pas. Non, stop, 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 stop. Voilà, en bas. Ah non, là, par contre, là, je peux pas m'amuser à m'arrêter. Sinon, je vais me prendre les boules. Il y a des boules de feu. Ouais, non, là, je peux pas m'amuser à m'arrêter. Sinon, je perds ma vie. C'est bon, les boules se sont arrêtées. Donc, là, je peux taper. Reste en bas. Reste en bas. Wow. Bon, là, vous me direz, c'est le corps de Jafar qui me protège. Allez, encore. On va encore te ficeler, mon coco. Allez. Mais what? Mais je veux te ficeler. Déjà que c'est pas assez chiant. Voilà. J'en suis sûr. On était à 3 secondes proches avant qu'il se remette de ses forces. Mais en fait, peut-être la technique, c'est d'abord le taper un peu. Après, de le reficeler. Après, de le retaper. Et peut-être que comme ça, on doit arriver à avoir plus de dégâts, je pense. Bon, après, ça doit être des techniques de speedrunner pour optimiser les boss. Enfin, s'ils les font, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, là? Bon, bah, moi, je vais dire coucou à Jafar. Non, non, aïe. Stop, stop, stop les débris. Stop les débris. Aïe. Bah, y a pas moyen d'esquiver. Je suis censé faire comment? Ah, à l'aide. Sauvez-moi. Ah, donc il a fini sa séquence. Vous voyez à quel point ça peut être terrifiant. D'un côté, avec tous ses pouvoirs, enfin, il pourrait quand même faire des trucs un peu plus cool, hein. Là, c'est pas que c'est... D'ailleurs, ouais, ça va, quoi, mais... Je sais pas, avec des pouvoirs de génie, moi, je m'amuserais tellement à faire des trucs délirants. Bon, après, peut-être que c'est limité, justement, pour pas qu'il y ait d'abus, et que le fait d'être un génie, c'est-à-dire nous permettre de changer le cours du temps, enfin, le cours du monde, surtout. Bon, c'est bon, t'as fini avec les bouboules d'éclair, parce que là, c'est... Encore? Bon, attendez, déjà, je vais me soigner. Et il est où, maintenant? Je suis censé faire comment pour le taper si à chaque... Si pendant la séquence de son machin, il m'empêche littéralement, enfin, de le taper, quoi. Et là, il n'y a pas moyen que je tape, hein. Je peux pas m'approcher de lui. Ouais, non, je peux pas m'approcher, hein. J'ai beau faire ce que j'ai envie, à part me prendre des rochers dans la tête, je fais pas grand-chose d'autre. Voilà, donc... Ah non, il va pas recommencer. Non, non, Jafar. On a dit quoi? Stop. Ouais, voilà, si j'essaye de le taper... Bon, j'essaye quand même... Ah, par contre, ça enlève de la vie quand même, hein. Oh, ah ouais, si je me fais toucher, c'est violence. Ah, et en plus, quand je me fais paralyser, ça aide pas. Non, pas encore. Mais non, il doit y avoir un truc à faire, parce que c'est pas possible. On n'arrive pas à le taper ne serait-ce qu'une fois. Bon, moi, j'ai récupéré ma magie, c'est déjà ça. Peut-être qu'avec la magie, il y a moyen de faire quelque chose, hein. Il n'y a pas moyen que les blocs, je les renvoie sur sa tête. Non, mais attendez. Allez, les blocs devant. Non, je sais pas pourquoi, d'après... Enfin, il y aurait peut-être une logique avec les objets. Bon, son torse. Son torse, il a combien en vie? Dis-moi juste qu'il a pas récupéré. Miroir. Ouais, mais bon, miroir, ça dure 2 secondes et ça me fait pas grand-chose. Ah là, comme ça. Attendez, là, ça fait que... Bon, allez, on va pas prendre de risque, on va le ficeler. J'ai pas envie de faire durer le combat non plus trop longtemps. Et allez, boum! Bouffe-moi ça. Voilà, tiens. Allez, il a moins de... Allez, encore, je pense, il nous suffirait de le taunt, enfin, le, on va dire l'étourdir encore une fois pour que le combat se termine. Non, 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 Stora, aïe. Ouh. Ouais, je me suis fait quand même éloigner. Oh non, allez. T'en as pas marre avec cette technique. Bon, est-ce que... Je vais voir s'il n'y a pas moyen que... Je vais voir si je peux pas renvoyer, non? Ouais, non, 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 mais il n'y a rien moyen de faire, là. En gros, c'est le boss cheaté, quoi. Et vu que j'ai pas voulu sauvegarder, j'ai pas intérêt de faire de bêtises. Bon, de toute manière, j'ai de quoi me soigner, donc c'est pas comme si j'étais dans un état critique. Voilà, là, je me soigne, comme ça, maintenant. Je peux directement foncer sur lui. Non. Ah, maintenant, il cumule boule de feu et boule d'éclair, comme ça. J'ai même pas le droit de l'approcher, hein. Ah, non, 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 mais... Allez, sérieux, quoi. Calmez-vous, mon sang. Je peux même pas l'approcher. Ouais, je suis censé faire comment, là? Non mais sincèrement, je fais comment? Comment? C'est un... Et là, voilà, il refait sa séquence, mais c'est... On... Il n'y a pas une seconde de répit. Encore sur l'autre, je voulais bien essayer de taper, mais là, il cumule boule d'éclair et boule de feu. Et en plus, je vais reprendre les débris. Non mais il doit y avoir un truc, c'est pas possible.
Je peux pas mourir aussi bêtement, quoi, non. Non, 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 mais... comment je suis censé éviter ces... Bonsoir, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Attendez. On va essayer d'attaquer. Allez, vas-y, 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 Sora. Donne-lui le plus de coups que tu peux. C'est pas grave si tu prends les coups. Là, là, c'est ça. Là, il faut miser sur les coups qu'on lui donne. Oui, c'est bon. Voilà, maintenant, prends sa queue. Prends sa queue. Voilà. Sans vilain jeu de mots, bien entendu. Et fais le tourbillol. Donc là, normalement, ça devrait être suffisant pour le terminer, je pense. Oui, 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 c'est bon. Là, on est large. Allez. Et encore quelques coups. Oui, c'est bon. Yes. Bonus sera élément de feu. À côté, c'est le seul qui a participé au combat. Donc ça se comprend, hein. Oh, la vache. Il était pas simple, simple, boss, hein. Ah, il donnait du fil à retordre. Ça n'est pas possible. Encore une fois, je suis vaincu par une bande de pitoyables vauriens. N'est pas vaurien qui veut. T'as fait un mano à mano avec Jafar et tu ne m'as pas invité. Désolé, génie. Tout s'est enchaîné si vite. Moi qui avais de nouvelles super attaques à te montrer. T'en fais pas, génie. J'ai encore besoin de toi. Qui va réparer Agrabha? Oh, oui. Et une super Agrabha remise à neuf. Sur le vent. Vous allez pas reconnaître cet endroit quand j'en aurai terminé. Et si tu refaisais tout comme avant? Quoi, même pas un petit néon par-ci par-là? Bon, d'accord. C'est parti! Et voilà! La prochaine fois, laissez-moi installer quelques piscines, d'accord? L'humour à la génie, toujours juste énorme. Gain, lampe magique augmente les chances de gagner des menhises, des orbes de HP et de MP. On verra. De toute manière, on va voir. Là, je pense qu'il y a encore une cinématique qui va s'enchaîner, donc je vais vous laisser profiter. Agrabha est comme neuf maintenant. Oui, merci les amis. Et toi, plus de coups tordus, Dak? Dak ou Dak, fini les méchancetés à la Jafar. Je suis un perroquet transformé. Je veux être un bon ami comme le génie. Mais si je ne peux rien faire pour vous aider, quel genre d'ami je suis? Mais ça n'a rien à voir, Yago. Les amis n'ont pas à faire des choses. L'essentiel, c'est qu'on soit content de se voir et de s'amuser ensemble. Ah? Et vous faites quoi pour vous amuser? Si vous trouvez ça drôle... C'est marrant. Aïe, mon bec! Oh, Yago! J'espère que tu t'es pas fait mal! Eh bien, au moins, je peux toujours voler! Attention! Wow! Oh, oh, oh. Ah, c'est là que j'interviens, j'ai encore du boulot. Allez, Al, je peux construire une autoroute, s'il te plaît. Allez, j'y vais, j'y vais. Tout va très bien, génie. Pas la peine de t'exciter. Mais c'est plus fort que moi. Oh, c'est bon. Sora, Donald, Dingo, vous êtes trop sympas, les gars. Si vous avez envie de faire une super méga fiesta cosmique, vous m'appelez, figé. Oui, d'accord. Je dois encore te remercier, Sora. Ne nous oublie pas, d'accord? Promis. Sora, je voulais te dire, l'ami que tu recherches, tu le trouveras. J'en suis sûr. Et je pense que nous avons désormais, voilà, fini la ville d'Agrabha. Waouh! Donc là, on est revenu à peu près dans tous les mondes, si ce n'est tous. Et on a eu à chaque fois la deuxième séquence. Donc je pense que, au vu de ce qu'on a fait, ça doit quand même s'approcher petit à petit de la fin. Ah oui, le monde du roi lion, lui je l'avais zappé. Oh, mais qu'est-ce? Qu'est-ce c'est donc? C'est quoi cet énorme truc? Attendez, peut-être que c'est de là que vient ce drôle de signal que nous avons capté tout à l'heure.
crépuscule. Il y en a deux maintenant. Et un autre signal surpuissant. Il provient d'un endroit tout près de la ville. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais c'est clair que la cité du crépuscule a de gros ennuis. Eh ben dis donc, on nous laisse même pas le temps de respirer 2 secondes. On vient de finir à peine la ville d'Agrabah. On a la terre du lion. Donc là par contre, je crois que c'est totalement facultatif. Mais de toute manière, on la fera, ça c'est sûr et certain. Hein. Autant faire un maximum de choses, on est là pour ça. Et s'il y a la ville du crépuscule, donc s'il y a quelque chose qui doit se passer, je préfère d'abord qu'on se dirige vers Atlantica pour, on va dire, continuer la séquence. Et attendez, là-bas on peut y aller ou pas ? Illusiopolis, niveau combat 50. 50 ! Mais attendez, on est quel niveau là ? What ? On est niveau 30 et quelques ? Oh là 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 ! Ah ouais, non, 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 pour l'instant on va pas y aller, hein. Mais Illusiopolis, donc maintenant vous avez le nom de cet étrange monde qui cache énormément de mystères si vous ne connaissez pas la série. Et si vous la connaissez, vous savez aussi ce que ça cache, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais en tout cas, on n'ira pas là-bas avant un petit moment. Je vais aller voir comment va Ariel. Allons-y. Enfin, de toute manière, on ira pas dans... soit l'épisode prochain, soit dans encore un épisode. Oh bah oui, c'est vrai que maintenant Ariel est avec l'humain. Alors, on reste planté là, regardez. Tu as une meilleure idée? On pourrait demander à Ursula de remettre les choses en ordre. Bien sûr, comme si elle allait nous écouter. On ne peut pas savoir avant d'avoir essayé, non? Ça se tient. Ça sera toujours mieux que de ne rien faire. Vous pouvez vous en occuper? Absolument. Oh là là, mais quelle catastrophe, je me suis mis encore. Oh là là, mais quelle séquence émotion sans parole! Moi qui me disais, allez, je vais me taire pour vous laisser profiter de ce magnifique couple à se dire des choses belles, magnifiques. Et au final, non. Non, c'est... En fait, on voit juste les lèvres bouger. En tout cas, Ariel a l'air de bien s'entendre. Hein. Ah, il s'en va, là. Hé, hey, où est Sébastien? Le roi Triton l'a fait demander au palais. Il veut peut-être lui parler d'Ariel. Si le roi Triton découvre ce qui s'est passé, il sera furieux. Surtout que nous avons gardé tout ça secret. Et Ursula, alors? Et Ariel, comment elle va? Elle n'a que jusqu'à demain au coucher du soleil, pas vrai? Hé, regardez! Oh! Mais, je vois rien! Tout va bien. Eh ben, ils m'ont fait peur. On devrait se remettre à la recherche d'Ursula, vous ne croyez pas? Oui, bonne idée. Pas la moindre trace d'Ursula. Je me demande où a bien pu passer cette sorcière. Ariel pleure depuis un bon moment. Mon seul désir, vivre à tes côtés. Mon seul espoir, rester là près de toi. Te regarder me sourire, tendre les bras. Loin de la mer et pour toujours vivre sur terre. Hey, qu'est-ce qui arrive au prince? Regardez là! Ne m'oublie pas. L'amour est là. C'est Ursula. Elle a dû se métamorphoser en cette fille. Bon, ça suffit. Que s'est-il passé? Tu peux parler? Alors c'est toi, la fille qui chantait pour moi. Oh, Eric, je voulais te le dire. Bien sûr, cette voix,
C'est toi qui m'as secouru la nuit de la tempête. Oh, je suis désolé de ne pas l'avoir deviné plus tôt. Tu es celle que je cherchais. Eric. Pas si vite. Hein? Est-ce que tu vois ce que je vois? Il est trop tard. Ah! Ariel! Arrête! Ne vous mêlez pas de ça, bande d'idiots! La petite fille chérie de Triton a signé un contrat avec moi. Maintenant, mon trésor, voyons si tu seras toujours aussi belle quand j'en aurai fini avec toi. Ce contrat n'est pas valable. Exactement! Pardon? Allons, allons! Même le grand roi Triton n'a pas le pouvoir d'annuler un contrat. C'est vrai, ce ne serait pas honnête, quoi! Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un marché à faire respecter. Attends, Ursula. Tu as gagné. Promets-moi seulement de libérer ma fille. Mais nous avons conclu un accord, à moins bien sûr que tu ne veuilles prendre sa place. Je crains de ne pas avoir le choix. Majesté ! Enfin ! Papa ! Qui gouverne les océans à présent ? Espèce de monstre, laisse-le s'en aller ! Ah ! Eric ! Comment oses-tu, pitoyable et méprisable humain ? Oh, ça suffit ! Maintenant, prosternez-vous devant. Épreuve musicale. Terrasse Ursula. Astuce, une nouvelle jauge a fait son apparition. Appuie rapidement sur croix pour vaincre Ursula. Appuie sur start pour interrompre pour le morceau. What? Appuie rapidement pour vaincre Ursula. Appuie sur start pour interrompre le morceau. Ah bon, le start, ouais, bon, normalement, il n'y a pas de nécessité. Donc, désolé, enfin, on n'a pas vraiment pu se parler. Un petit peu comme la dernière cinématique. J'ai l'impression que là, les deux dernières cinématiques qu'on a eues, justement, étaient plutôt... vraiment côté cinématique, mais là normalement ce sera la dernière, et qui dit dernière, ça voudra dire qu'on aura fini le monde, et si on finit ce monde, on aura sûrement quelque chose d'intéressant. Donc maintenant, je me concentre, je vous laisse un peu profiter, parce que je pense qu'il va encore y avoir une musique, et on va essayer de le réussir du premier coup. Donc souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance, Fly Gamer. De retour au fond de l'océan, et Triton ne pourra pas l'empêcher vraiment. Comme tous ceux qui ont voulu me défier, il apprendra à se maîtriser comme moi. Tu as eu ce que tu méritais! Flotsam et Jetsam, vous méchez, comme la rejoignez-moi, mes amis très chers, maintenant! Aidez-moi à briser tous ces idiots. Il est temps. Non, je ne crois pas. D'accord.
humains sont dérisoires. Je n'en crois pas mes yeux. Et ce roi stupide croit qu'il va gagner le jeu. Mais sans ta précieuse sirène, tu rêves de vengeance. Et je compatis un peu. Je ne la perdrai jamais. Bien, on est avec toi jusqu'au bout. La femme, jeune femme, vous méchez, qui mord comme la mer. Rejoignez-moi, mes amis très chers, maintenant. Aidez-moi à briser tous ces idiots. Il est temps. Désolée, maman, tes chéris sont grillés. Chérie, je viens de commencer. Pas fini avant qu'Ursula n'ait gagné. Personnellement, je crois que t'as perdu, ma vieille. Donc la barre de vie, enfin vous l'avez vu, elle était vide déjà avant la fin de la chanson. Mais bien entendu, il la laisse jusqu'à la fin, histoire de profiter du spectacle. Maintenant, ça suffit. C'est pas possible. C'est terminé, Ursula. Ceci m'appartient. Alors dans ce cas, reprends-le. Ariel, tu peux sortir. Tout va bien à présent. Ariel ? Eric, c'est pour ça que j'étais allée voir Ursula. C'est impossible. Je voulais te le dire avant, mais... Que faire ? Eric, adieu. Depuis tout ce temps, je n'ai même pas appris à nager. Hein ? Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Tu peux m'aider ? Ah, avec plaisir. Génial! Gain mystérieux abîme augmente la puissance des attaques de glace. Alors, vu le pouvoir, c'est pas ce qui va me servir le plus, je suppose. Mais l'avantage, c'est vrai que le pouvoir glacier est une attaque à distance, donc c'est pas inutile. Le prince Eric est un homme bien et très courageux en plus. Peut-être, mais il est humain. Tu ne peux pas oublier ça un peu. Oh là là, il y a les autres qui se ramènent. Que vont-ils dire? Ils vont dire, ouais, c'est bon, papa, accepté. Comment l'a pris ton père, Ariel? Très bien, merci, je dois filer, à plus tard. Eh ben dis donc, alors là, niveau phrase courte, tip top, hein, 5 phrases en 2 lignes. Qui dit mieux, hein? Eh, attends. Au fait, Sébastien, le roi a dit que le spectacle de cette année est très important et il espère que tu t'es surpassé. Allons bon! Oh, c'est pas fini? Quel est le problème? Vous pourriez me rendre un service? Hein? Quoi? Mais comment? Ça me semble être une idée épatante. Ah, c'est pas fini! Il y en aurait encore? Ou peut-être pas, ou peut-être que si. Tu as besoin de la magie Foudre X pour mener à bien le projet de Sébastien. Ah, donc non, je ne peux pas, je n'ai pas la magie Foudre X. Mais en fait, je crois que les pouvoirs, à chaque fois qu'on a, il y en a qui servaient justement pour le spectacle, justement pour épater la galerie. Et donc là, je vois qu'on en est à 34 minutes, mais avant de vous quitter,
En fait, j'ai pas envie de vous quitter. J'ai envie de faire un épisode, bon, peut-être un petit peu plus long. Allez, quitte à aller jusqu'à 50 minutes, on va se faire un peu plaisir, on va avancer. Surtout que dans cet épisode, il n'y a pas eu... Enfin, je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas eu grand-chose, bon, mis à part la Agrabah avec le boss. Mais j'ai envie de découvrir un petit peu ce qui se cache dans la forteresse oubliée. Et en même temps, j'ai envie de voir un petit peu avec les nouvelles armes. J'ai envie de voir les deux nouvelles armes. Et s'il y a moyen qu'on touche un petit peu aux équipements, voir ce qu'on peut faire. Donc déjà, nouvelle cinématique, même pas. Ah bah ça c'est bien, il n'y a pas de cinématique qui se déclenche. Donc, objet. Malle. Non, je voulais pas aller dans la malle. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est... Mais si, mais c'est les objets. C'est les Keyblade. Alors, rose de combat, j'avais... Donc là, on a Mystérieux Abîme. C'est la Keyblade que je viens de gagner. La magie augmenterait, mais je suis pas fan de la magie. Ah oui, la citrouille de Noël. Augmente la puissance d'un coup critique en fin de combo sol. Ouais, ça, c'est pour le sol. Ça peut valoir le coup. En plus, ça augmente bien mes stats. Et lampe magique, ça baisse l'attaque, mais ça augmente la magie, augmente les chances. On va aller sur Citrouille de Noël. Par contre, est-ce que je peux changer ces Keyblade par hasard? Là, oui, bah lampe magique, ça vaut le coup. Et âme de gardien, est-ce qu'il y a une autre arme qui ferait l'affaire? Non, il n'y a rien qui semble bon. Et au niveau des compétences, mes les amis, on va voir si... ouais, compétences, j'ai dit. Et moi, je retourne dans les menus des inventaires, c'est cool. Alors, j'ai 2 points de compétences. Donc ça, c'est bon. Je vais pouvoir m'équiper de nouvelles compétences. Et par hasard, est-ce qu'on aura une nouvelle compétence intéressante? Non, même pas. Parade, frappe verticale, appuie sur carré pour bondir dans les airs à la fin d'un combo. Là, j'ai envie de tenter, quoi, mais il faudrait 3 points de compétence. Est-ce que par hasard, dans les objets, on aurait dans la malle... Ouais, on en a qu'un, donc ouais, non. Bon, bah, Sora, allez, on va lui remettre parade. C'est toujours bien, et j'ai pas fait triangle pour directement mettre, pourquoi pas. Alors, Donald, est-ce que par hasard, Donald aussi aurait de nouvelles choses intéressantes? Non. Par contre, il a un point de compétence qui n'est pas attribué, mais toutes ses attaques demandent au moins 3, si ce n'est 4. Mais on n'en a qu'un, donc même si on met un point de compétence, on n'en aurait que 2. Et pour Dingo, ouais, bon, Dingo, il n'en a même pas un seul. Et maître auto-coop, ouais, non, pas convaincu. Donc, il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Et on va sauvegarder, ouais, ça, c'est pas bête. Avec toutes les séquences qu'on vient d'avoir, je pense qu'une petite sauvegarde s'impose. Donc là, on était à 23h08 de jeu, et là, on passe à 23h47. Ah ouais, alors là, si j'avais pas sauvegardé... Et donc, bah, vu qu'on est là et qu'il n'y a aucune cinématique qui s'est déclenchée, moi, je vous propose, on va retourner dans le livre de Winnie. Ça va peut-être faire un peu épisode annexe, mais j'ai vraiment envie qu'on s'occupe de toute cette partie. Ça vaut vraiment le coup, et au moins... Enfin, je veux pas dire qu'on s'en débarrasse, parce que personnellement, moi, c'est des parties que j'adore particulièrement, mais c'est pas forcément des parties que, à regarder, je pense qu'ils sont forcément passionnantes. En tout cas, enfin, moi, je trouve que la partie de la petite sirène, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment profiter. Parce que moi, quand je dois appuyer sur les touches, j'ai pas, enfin, je me concentre pas sur le dialogue et la mise en scène. C'est vrai que, par contre, je pourrais re-regarder, vu que je filme le tout. Et là, ça pourrait être intéressant. Donc, trêve de bavardage, et plutôt que de parler, on va se diriger, on va faire, là, encore une partie du monde de Winnie. Oh, il y a Coco Lapin. Oh, mais il y a tous ses amis. Il y a Paul Ciné. Salut tout le monde. En plus, je pense qu'on s'approche aussi petit à petit de la fin du monde de Winnie. Donc, qui dit fin aussi dit après nouveaux objets. Par contre, ça veut dire que dans la petite sirène, il y a... Enfin, si c'est pas fini, il doit encore y avoir des objets sympas à débloquer. Tiens, Winnie n'est pas avec vous? Il est entré dans cette grotte. Et il n'en est pas revenu, je parie. Et en plus, normalement, ça nous fera un mini-jeu supplémentaire. Et j'adore les mini-jeux. C'est tellement bien pensé dans ce jeu. Ah, alors, qu'avez-vous à me dire, les amis? Pourvu qu'il n'y rencontre pas de Jagoulard. Jaguar version... je vous rajoute... allez, Jaguar, je vous rajoute un L et ça fait Jagoulard. Voilà qui me rappelle la fois où mon cousin Alphonse a... Pourquoi restez-vous à l'extérieur? Si vous êtes inquiet pour lui, allez donc le chercher. C'est exactement ce que j'allais dire. Oui, en avant. Mais si c'est l'antre d'un Jagoulard, nous devons être prudents. Bien, le temps que tout le monde se décide, je pourrais peut-être reprendre mon histoire. Mon cousin, disais-je, soit le fils de la sœur de mon père. Qu'en dis-tu, Sora? Bah, que l'histoire du hibou, on s'en fout et qu'on va aller de Winnie. Ça ira plus vite. Parce que si, déjà, ça prend encore 10 minutes pour nous raconter une petite histoire. Alors, est-ce qu'il y a un coffre? Non. Là-bas, c'est la sortie, je suppose. Donc, on va aller dans l'antre du Jagoulard. Je n'ai pas encore parlé à tout le monde. Ah, pardon, faut parler. Dis, Sora, on devrait peut-être aller chercher Winnie, tu ne crois pas? Allons-y. Ah ok, j'ai parlé au premier, je lui dis allons-y.
Je sais pas si les autres étaient censés faire quelque chose. Retrouve Winnie le plus vite possible. La jauge de courage de tes amis baisse lorsqu'ils se perdent, et même en marchant. Une fois leur jauge de courage à zéro, ils commencent à paniquer. Pour les calmer, reste auprès d'eux. Ah non, vous êtes sérieux? C'est-à-dire qu'ils vont tous s'éparpiller et il faudra à chaque fois que... En avant! Wouhou! Halte! En avant! Allez les gars! Wouhou! Allez au cours! Donc là, c'est une sorte de labyrinthe, je suppose. Oula! Oh là là, des abeilles! Mais que va-t-on faire? C'est bon les abeilles? Encore? Elles sont pas chiantes elles, hein? Non mais stop les abeilles! Ah bah voilà! Courage! Mais je suis avec vous les gars! Halt! Mais je veux le coffre! Voilà le coffre! Mais comment je suis censé faire? Je suis là les gars, hein! Pas de panique, je sais que le courage c'est difficile pour vous. Oh là 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 là. Non non mais stop, don't panique. Ils m'ont dit de rester auprès d'eux, mais je suis auprès d'eux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de mieux? Ah et en plus j'ai plus de temps. Et en plus il y a des abeilles qui attaquent. Stop les abeilles. Allez, eh oh. T'as, en plus elles se déplacent à une vitesse. C'est une sorte de téléportation abeille version. On se calme. Je suis là. Et là il y a un coffre. Halt! Ouais, mais je veux. Wow, oui, des coffres. Pas grave si je glisse. Je veux mes coffres. Formule de défense. Ah, ça, c'est intéressant. Formule de défense, ça, je crois que c'est utile pour tout ce qui est transformation. Enfin, pas transformation, mais pour le. Ah, le mug. Voilà, pour le mug. C'est bon? Vous êtes tous là, les gars? Allez, on continue. Bon, par contre, Winnie, je trouve pas pour l'instant, hein. Par contre, il y a des coffres, ça c'est bon. On va dire que je profite déjà de pouvoir récolter les coffres. Bon, les abeilles. Par contre, les abeilles font perdre vachement de temps. Hein. Allez, on se disparaît, s'il vous plaît. On se calme. En fait, j'ai l'impression que le courage est forcément obligé de baisser. C'est dommage. Parce que ils me disent rester auprès d'eux, mais qu'est-ce que je fais à votre avis? C'est... Alors, oui, c'est bon. J'ai retrouvé Winnie. Allez, Winnie, parlez. Bravo! Il nous restait 55 secondes. Par contre, peut-être que j'aurais dû me donner plus la peine d'explorer. Peut-être que je pourrais explorer sans les avoir et à ce moment-là, ce serait intéressant. Winnie, te voilà. Dis, qu'est-ce que tu faisais? J'étais en train de chercher un ami très cher à qui j'avais fait une promesse très importante. Et tu l'as retrouvé? Non, j'ai vraiment regardé partout, mais il n'était nulle part. Oh, Winnie, mon pote, te voilà. Oh oui, mais tu m'as fait un petit peu peur, Tigrou. Oh, j'ai cru qu'un jaguar t'avait attaqué. Oh non, je n'avais pas pensé à ça. J'espère qu'un jaguar n'a pas attaqué et avalé mon ami. Essaie de te souvenir, Winnie. Est-ce que Sora ne serait pas l'ami que tu cherches? Le jaguar! Mais non, ce n'est que ton ventre qui gargouille. Tu dois avoir faim. Rentrons à la maison et essayons de trouver du miel. Bonne idée, Sora! Winnie, finalement tu t'en es souvenu! Souvenu de quoi, Sora? Winnie... C'est comme ça que je te préfère, Sora. Heureux. Moi aussi, Winnie. Oh, mon estomac commence à gargouiller. D'accord, alors rentrons chez nous. Gain doux souvenir. N'améliore pas l'attaque, mais augmente les chances de gagner des objets. Hein, ça peut être vraiment mais intéressant quand je vais devoir de mon côté un petit peu drop les objets pour après... Enfin, récolter tout ce qui est nécessaire pour faire tout ce qui est Keyblade ultime et ce genre de choses. Bien, grand tenter un plan des lieux. Donc là, je pense qu'on a définitivement fini la partie avec Winnie. Je crois plus qu'on aura de page. En tout cas, on a débloqué... Enfin, un objet. Donc, en l'occurrence, ça peut nous indiquer que c'est à peu près la fin, je pense. Donc, ça voudrait dire qu'on aura à peu près fini le monde de Winnie. La forêt des rêves bleus, donc. Le monde de la petite sirène. Ah, c'est pas mal, hein, on a bien géré. Bah, vu que
sincèrement, vu qu'on vient de finir ça, je pense qu'on va rester un petit peu sur cette tendance qu'on a fait épisode annexe. Comme ça, dès le prochain épisode, on va vraiment se relancer dans l'aventure. Alors, j'aimerais juste vous poser une question. Pour ceux qui connaîtraient, ça m'aiderait beaucoup, mais la forêt du roi, enfin le roi lion, est-ce que ça vaut le coup que je le fasse maintenant ou je peux un petit peu avancer, voir ce qu'il y a dans la cité du crépuscule, et après qu'on ait fini un petit peu la partie cité du crépuscule, on peut retourner dans le monde du roi lion. Comme ça, j'ai pas directement envie de refaire un monde, mais plutôt envie d'un petit peu continuer l'histoire, un petit peu de gratter et de rester dans cette zone. Donc si vous le savez, merci de me répondre, ça me ferait très plaisir. Donc j'espère en attendant vraiment que cet épisode vous aura plu. Je pense que la partie, comme je vous ai dit avant, la partie annexe, c'est pas forcément le plus passionnant. Mais en tout cas, je pense qu'il y en a certains d'entre vous, enfin tout comme moi, ceux qui aiment essayer de finir un jeu au maximum, et en plus qui adorent ce monde, ils doivent se faire plaisir. De toute manière, les autres, je pense, depuis le temps, ils auront plus forcément eu l'envie de continuer à regarder. En attendant, si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, je ne peux que vous conseiller de me laisser un petit pouce bleu pour me montrer que vraiment ce let's play vous passionne toujours, que même malgré tous ces moments, etc., c'est vraiment un jeu qui vous plaît, qui vous tient à cœur. N'hésitez pas toujours aussi, hein, même si vous avez d'autres choses à me dire sur le jeu en commentaire, c'est toujours avec plaisir que je prends en considération donc vos commentaires. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Kingdom Hearts 2, les amis. Et sur ça, ciao à toutes et à tous !